Ok, nouvelle VOD. Bonjour YouTube et bienvenue sur la partie... Alors là, c'est peut-être 12. Mais alors franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à Hollow Knight parce qu'il y a un petit jeu qui est sorti entre-temps qui s'appelle Lorelei and the Laser Eyes. Je t'invite à aller checker. Jeu d'énigmes incroyable. Du coup, je reprends Hollow Knight. On est toujours sur un objectif 112%. Le mieux, ce serait avant l'annonce de Silksong. Annonce qui arrive très très rapidement. Là, dans le mois de juin, là, je vous ai dit le 9. 9 juin, annonce. Avec la date et tout, là. C'est imminent. Bel et bien VOD 12 après confirmation. Merci beaucoup. Du coup, je ne sais plus du tout où on en est. On a beaucoup de choses à faire, mais ça fait tellement longtemps. Il me semble qu'il y avait quand même dans la liste le fait d'améliorer l'aiguillon qui traîne depuis un petit moment. Donc, il faut qu'on aille faire ça. Et ensuite, peut-être chercher des bébous. Il en reste sur la map. Ce serait intéressant de le faire. J'aurais peut-être dû virer mon petit bonhomme là, qui va plus me servir tant que je refais pas le Grim. 5 jours pour 112%, large. On est large. On va aller à l'entrepôt de la cité. Quelqu'un avait dit qu'il fallait pas spécialement améliorer l'aiguillon parce que ça allait augmenter le niveau des boss. Oui, je crois qu'il y a une histoire comme ça, mais... Ça dégage. Oh, je sais plus. Marque de respect... Force, ça c'est pour avoir des cœurs supplémentaires, on n'a plus besoin de l'argent. Permet à son porteur de recevoir une petite quantité d'âme lorsqu'il subit des dégâts. En taille rapide? Ouais, mais en taille rapide ça coûte 3. Donc c'est plutôt à la place de la boussole quand je commence à en avoir besoin. Je sais plus ce que je mettais. Franchement, je sais plus. Bon, on s'en fout, non? Ah oui, il y avait peut-être le monsieur champignon qu'il fallait faire, mais je sais pas du tout comment ça marche. Donc là, ce sera backseat. Proche de la mort, son porteur devient plus fort. Écoute, j'avais de coup puissant parce que je sais plus ce que je mettais. Peut-être rock solide. Rock solide, j'aimais bien aussi. Alors je rappelle que vu qu'on a déjà fait le jeu, hein, c'est 100% backseat, spoil, sur le lore et tout, les explications, vous pouvez tout raconter. Hein. Il n'y a pas de souci. Comment j'affiche la carte? Parce que je ne sais plus jouer. Amélioration de l'aiguillon, c'est 3 minerais plus 4000. Eh ben c'est parfait! J'ai pile ce qu'il faut. Niveau lore, tu connais bien ou pas trop? Malheureusement, je confonds et j'oublie surtout, mais... Ah, j'ai pas le truc aimanté. De toute façon, j'ai plus besoin, je crois. J'ai plus besoin trop de Géo. Mais Sky, en particulier, nous racontait beaucoup de choses, donc... Je suis censé savoir, en tout cas. Tu nous feras un petit topo du lore, tiens? Interro surprise? Ouais, mais là, je sais plus, hein. Là, je sais plus. C'est l'heure du quiz. Putain, faut que je vérifie mes notes, sinon je vais me prendre une balle. Bah. Radiance, pas content. Envenime la situation à travers les rêves des gens. Non ? Répondez, Fraulein. Tu as amélioré les 3 charmes cassables? Oui. Oui, c'est bon, ils sont réparo. Répondez!
J'ai acheté aussi, je crois qu'il y avait un éclat d'âme dans la fontaine à 3000. C'est acheté aussi. Ah, Ronjo's Danger. Faites gaffe, il fait du bruit là quand il nous améliore, hein. Ça, c'est très fort le son. Junsha. Calmez-vous. Garadel Akari. Il n'est plus nécessaire de le reforger. Ton aiguillon est maintenant bien plus puissant qu'il ne l'était autrefois, aussi puissant qu'il ne le sera jamais. C'est uniquement de ton arme que j'ai pu trouver un tel potentiel. Je peux enfin admirer la grandeur d'un aiguillon pur. Penser que je vivrai un tel moment si tôt dans ma vie, je dois aller prendre un peu l'air. Ah, Ronjo's Avec Danger. un aiguillon pur forgé, l'œuvre de toute une vie touche à sa fin. Le seul désir qu'il me reste serait de voir et de ressentir l'aiguillon toucher sa cible. Je t'en supplie, transperce-moi avec ton aiguillon. Pendant les derniers moments de ma vie, je veux pouvoir goûter à la pointe exquise de la lame. Après tout ce temps, tout ce labeur, ne l'ai-je pas mérité? Alors, il me semble que le premier let's play, on l'avait fait. On va peut-être le laisser en vie cette fois, je ne sais plus ce qu'on avait fait, mais... Laissez-le vivre. C'est ciao. Enfin, c'est ciao. C'est moi qui ciao. Là, on a l'aiguillon le plus puissant. On peut peut-être s'occuper des bébous, car il en manque assez peu, je crois. Oups, je sais plus jouer, c'est terrible. Voix de l'eau. Voyez de l'eau, hein. Hydratez-vous. Il me semble, oui, que je vois les bébous. Oui, larve captive, je l'ai, hein. Est-ce que je les vois là ou est-ce qu'il faut... Voilà, il y en a une là. 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 J'en vois deux pour l'instant. C'est pas beaucoup, hein, deux. Trois. Il en resterait trois seulement? Faut qu'on aille ici. Station du roi. Ah oui, alors il y a toujours la musique qui grésille. Ça, c'est bon. Bon, bah allons tout à droite, station du roi. C'est horrible cela, une fois qu'elles sont toutes ramenées. Je me souviens. On va le vivre. Est-ce que c'est fini avec Melemo ou il faut encore des agrumes? Je crois qu'en soi c'est fini avec elle, mais qu'il y a des succès à faire où il me faut 2600 agrumes. Je suis pas sûr qu'elle nous offre encore des choses, mais on en a besoin pour les succès. Et je pense qu'on les aura sans trop chercher. Juste peut-être avec des arbres qui traînent ou les boss, quoi.
Ouh. Tiens. Je pense que l'aiguillon des rêves est à fond, ouais. Soi-disant qu'il y aurait un bébou dans le coin, juste en dessous de nous. Pourquoi je le vois pas, là? Est-ce qu'il faut y aller depuis le bassin ancestral? Ou peut-être depuis le... Là, on voit, vous voyez, en plein milieu de l'écran, on voit un chemin qui monte, qui est pas trop, qui est pas visité. Ça doit être plutôt là. Soit c'est depuis les égouts, soit c'est depuis ce petit chemin. Tout petit chemin là, dans le marron. Bah tiens, oh, je peux vous montrer en fait. Là. Donc c'est soit par là, soit là, mais bon, vu que là j'ai pas fait, on va commencer par ça. Au pire, il y a gros curseur, évidemment. Attendez, je sais plus jouer. Bonjour, la vie est constituée de moche. Bonjour, Saku. Super. Ça bourdonne. Très bien, ici c'est pas visité. Il y a quand même des trucs là. Ok, ça c'est un raccourci qui n'était pas fait. Tout simplement. D'ailleurs, le boss ici des égouts, vous savez, l'espèce de gros nid dégueulasse. On l'a jamais fait. On a dit qu'on y retournerait un jour et on l'a jamais fait. Cœur. Cœur. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Snoop Doggy Dog. Il donne un charme, mais alors. Merci Sleepy, je sais plus si j'ai dit merci, j'ai dit merci dans ma tête, mais peut-être pas en vrai. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, j'ai fait toute la route là. Snoop Doggy Dog, t'as la ref Sony là? Thank you.
J'ai eu le cringe de la ref. Je les vois là, la bande de gars qui regardent la caméra en mode. C'est pas drôle, c'est gênant. Alors, Snoop Doggy Dogg. Plus le temps, plus je hais ce genre de vidéo. Les gens qui s'humilient solo. Ouais, je dirais pas que je hais, mais. Ça va, ça me fait rien. C'est trop vieux pour que ça me fasse quelque chose. Peut-être que des vidéos dans le présent, ça me ferait pas pareil. Je me mets à leur place, c'est horrible. Ouais, mais je sais pas. Tu vois, si ça arrive en vrai... Je sais pas. C'est tellement devenu culte que ça devient... T'es fier, toi. C'est tellement devenu incroyable, ce truc. Il y a 2 jours, j'ai appris un mème sur un journaliste qui avait dit Meporg au lieu de MMORPG. Oh, c'est très vieux ça aussi, ça doit être du 2010. Et effectivement, il y avait un remix. Oh là là, ça va bien se passer, hein. Il va falloir apprendre à jouer, hein. Dossier du bois, l'attrapeur, et vous commencez à valer pépette. Bonjour Lindo. Merci beaucoup pour ce 39e mois de resub. Train. Et les pépettes vont bien, je te remercie. J'en prends grand soin. Je crois qu'il y avait un raccourci et que du coup là j'ai pris le chemin long. Ah oui. C'est l'OP Silksong ici? Ça va pingouin? T'as fini Lorelai? Je suis passé, j'ai entreaperçu. Je crois que t'étais sur la fin. Bonjour. Au revoir. Nid de fluc. Fini tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé le final dont on ne parlera pas parce que spoil, mais j'ai bien aimé le final. Et c'est quoi le flux là? J'arrive pas à ouvrir le menu quand je suis dans l'eau. Je sais pas pourquoi. Flux du Luc. Transforme le sort Esprit Vengeur en une horde volante de bébés Flux. C'est super, je m'en servirai jamais. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau des bébous? J'ai dit qu'il en manquait a priori 2. Faut aller dans le nid profond là, il y a des chemins ici, ils sont pas faits.
Et il y en a un autre un peu plus haut. Là. Alors, faut aller à la station de la reine. Il fonctionne aussi avec le charme puant, ce qui fait masse de dégâts. Moi j'ai un peu de mal avec le truc puant, ça me perturbe là, la fumée. Et après, je pense qu'on va s'occuper du champignon, mais je sais pas par où faut aller. Le weir me libère de l'esclavage. Jusqu'à la chute des royaumes et la fin des âges. Cap et carapace peuvent tomber en poussière. Monsieur Champignon s'adapte à cette nouvelle ère. Bah le voilà. Et je sais pas quoi faire avec lui. Je crois qu'il faut le charme, mais je sais pas quoi d'autre. Tape-le. Vous êtes sûr, hein? Gnogni, gnogni, monsieur, gnogno, est-ce que tu me gnogni, bébou? C'est ça, vient de lui, ça? Trop bizarre. Bon, ok, on va continuer mon objectif, on reviendra là, maintenant je sais où il est, quoi. Mais je vais essayer de me focus sur les deux bébous qui manquent, sinon on va encore s'éparpiller de partout, là. Il était à l'emplacement du cartographe. Va falloir retourner à tous les emplacements du cartographe. C'est pour ça que c'est long. Je sais pas si je vais au bon endroit. Oh, il y avait de l'argent là-bas. Bon, de retour au nid profond. Attends. Je vais juste remonter. J'ai besoin de casser ça. Non, il reste du principal, hein. La radiance a pas été tuée, donc il reste des choses, hein.
Ok, là c'est pas visité. Oh, y a encore des pièges. J'arrive, Bébou. Ouais, j'arrive, Bébou, tiens. Forcément, dans un endroit comme ça, il y avait forcément un faux. Il y en a plein. Lui, c'était le gentil. Il faut les gnognis? Ah, c'est vrai que j'aurais pu essayer. Avec l'aiguillon des rêves. Salut, Mostiel. D'accord, raccourci pour ici. Peut-être qu'il n'y a rien d'autre. On peut peut-être quand même vérifier, même. C'est peut-être juste de l'argent qui traîne au fond des galeries. Ouais, c'est ça, il y a de l'argent, là. Ah ! Bon, ça va, on n'avait pas grand chose à y faire, hein. Dans le fucking nid profond. Ensuite, il faut retourner à Verschemin. C'est loin, là. Est-ce qu'il faut prendre ce chemin-là et revenir là. En dessous de la station de tram du Nid. Ici, tu veux dire? Tu penses qu'il y a un truc là? Enfin, tu sais qu'il y a un truc là, je veux dire. À droite. Ah non, mais justement, là, ça va être exploré parce que... On vient d'y aller. Faut qu'on soit sur un banc. Ah non, t'as raison, là. Ouais. Bon, après, il y a d'autres endroits qui sont pas faits. Hein. Là, il y en a pas mal, tu vois. T'en as là, effectivement. Ça doit être ça que tu dis. Mais bon... Focus les bébous. Sauf si on passe vraiment à côté. Mais là, il faudrait refaire toute la route. Quoique, celui-là, il est quand même pas très loin. Ah non, on va rester sur notre focus, sinon je vais encore me paumer. Allez, tépais-toi, voilà. Où est-ce que je me TP? Bah, station de la reine encore, hein, finalement, puis je remonte tout.
Je vais faire ça. Ah, mais sodo. Nous focus Sam. Bon, et maintenant? Et maintenant? Je vais dans la brume. Là, je remonte tout. Ah, je pensais l'esquiver. Toujours aussi sympathique. Bonjour Silcy. Et maintenant vers la gauche. Je crois que ce passage-là était bloqué de l'autre côté. T'es sûr? Ou alors c'était peut-être bloqué à cause d'un dash. Le dash noir, justement, que j'avais pas. Bon, écoute, on va voir. Hein. Re-sky. Comment était la réu? Vous avez fait une réu à SAP salle 14 là, ou comment ça s'est passé? Il y avait du lore. Ah oui, on dirait que c'est bloqué ici. Ça veut dire que c'est depuis le jardin de la reine? Enfin. Depuis en haut, quoi. On parlait des sujets d'onboarding, sur les sujets d'équipe transverse plutôt. Partage de connaissances, hein. Connaissances, hein. Il me manque un bébou, Sky. Je suis venu ici et c'est fermé depuis l'autre côté. Est-ce que je vais là-haut? Ou est-ce que je vais là? Est-ce que c'est pas ce passage-là, en fait? Et là, tac, 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 et ça relie tout ça. Je sais plus, mais les bébous sont indiqués sur ta carte. J'ai pas l'image. Ah oui, bah t'inquiète. Non, mais je pense qu'on va faire ça. Il en manque un seul de bébou, normalement. Et je pensais être au bon endroit, mais c'est fermé depuis l'autre côté, donc on va aller sur un chemin qui est pas sur la carte. Qui est pas encore découvert. Mais effectivement, ça m'a fait quand même penser qu'il y a pas mal d'endroits où il y avait des dashes noires que j'ai laissé de côté.
Bon, je tousse toujours, hein, si jamais. Donc ici c'est inexploré. C'est vrai qu'ils ont les picots. Yes. Putain. Oh là là. Oh là là, dégage. Et merde. Oh. Salut Anaël. Pire dans ce jeu quand tu te fais combo projectile ennemi plus picot. Ça promet hein, sur les panthéons là. Oh là là, je sais plus comment on joue, c'est terrible. Oh allez, je vais pas me trigger. Hein. Je vais pas me trigger. C'était bel et bien le dernier bébou. Merci pour les GG. Oh. Un petit agrumier. Et du coup, voilà, on ouvre le passage de l'autre côté. Et il reste quoi? Bah, je sais pas trop. Hein. On était peut-être sur la quête du champi, puisque je l'ai croisé.
Ouais, monsieur Champy. J'ai pas eu toutes les boulettes là. Hein. Bah, on l'a croisé et on m'a fait comprendre que c'était l'emplacement, l'ancien emplacement des cartographes. Mais c'est surtout, j'ai surtout que je l'ai croisé sans avoir mon charme, donc j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Famille verte perdue, chemin en veille, rêve oublié. Salut Trunk Petit. Bon. Ah, oh, mais ça me saoule, c'est moche. Il est toujours là où tu l'as croisé, il faut lui parler avec le charme pour qu'il bouge son gros fiac. Ah, regardez ça, on pouvait pas passer là. Et bah, hop, je passe. Oula. Vous en faites pas, elle mourra pas. C'est pas là, on a. Bref. Elle mourra pas si je meurs avant. Et voilà! C'est comme ça qu'on fait. Tu continues pas, elle mourra pas. Bah voilà, c'est ça. Fin du LP, bye. Au revoir, rideau. De toute façon, il y a Silksong qui sort demain, donc bon. Hollow Knight, on peut aller se faire foutre, hein. C'est pas un canular? Tu me raconterais pas des cracks, toi? Minute papillon. Merde.
Mais vas-y, mais j'arrête pas. Ça, c'est ma spécialité. Hein. C'est de dash. C'est de dash là où va l'ennemi. Grosse spécialité, ça. Voilà. Voilà, c'était super. Signature move, dasher là où l'ennemi va. Puis je me crois malin en plus. Salut Lilichi. GDL, Mits Play, je vous dis dans une heure si je suis millionnaire ou si je suis fait pirater mon tel. Oula, c'est quoi ce truc? C'est quoi le... C'est quoi? Une appli où tu gagnes des cartes cadeaux en jouant à des jeux. Sinon, il y a... Comment ça s'appelle? Il y a un truc là. Un truc qui s'appelle genre Amazon ou Twitch, je sais pas. Mais bref, où vous pouvez gagner des bits. Et puis bah, you know la suite quoi. Je sais pas moi, c'est juste ça comme ça. Ça a pas fermé ce truc? Je crois pas. Et putain, il me spawn dessus lui aussi. Ça va aller? Il m'a caché. C'est ça que je voulais faire. Mais... Putain! Comment vous voulez qu'on fasse un panthéon? J'arrive pas à faire ça. Qu'est-ce que j'ai comme charme? Pourtant, j'ai du bon charme là, je fais des dégâts. Marque de respect, force inébranlable. J'ai que des dégâts de fou, moi. J'arrive pas à l'enlever. Ah, je suis pas sur un banc. Putain, ça y est. Voilà, ça fait longtemps, hein. J'hésite à virer la boussole et à prendre en taille rapide, mais...
Sinon, on emmène... On emmène un familier avec nous. Gros combat, ouais, mais bon, après... Le combo canalisation rapide plus force d'une. Forme, pardon. En canalisant l'âme, son porteur change de forme et peut se déplacer librement à travers les ennemis pour les éviter. Ah, pour se soigner vachement vite et en bougeant, c'est ça ? Ok, ok. On va essayer d'abord comme ça. Je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. On est enthousiaste. Merci beaucoup d'être enthousiaste. Alors qu'il n'y a plus d'OPSP. Il devait y avoir une OP aujourd'hui. Enfin hier, mais il n'y a pas de news là. Par contre, demain, soir, il y a un stream multi. Avec Skyplay 14 et Picture 9. Je fais de la merde. Ça me tend, ça. Ils ont trop de PV, j'augmente mon aiguillon, j'ai le charme pour avoir la puissance et je les touchote pas. Putain! Et pourtant, il a pas l'air difficile, lui. Salut Solisticien, une petite astuce. Balance. Ouais, mais vous m'écrivez ça, vous savez que c'est ce que j'essaye de faire. Alors, c'est pas très bien exécuté, mais c'est ce que je fais en fait. Ça se voit peut-être pas, mais...
Salut Baleine. J'essaye de faire les cris là et c'est trop long. Ah! Putain, c'est terrible. Casse-toi! Non! J'ai même pas l'impression qu'elle attaque vraiment, elle. Ah, bah ça y est.
Shiskanax? Y'a rien en haut là? Elle est morte en combat comme une brave guerrière. Elle mérite tout notre respect. Bonjour. La dame blanche. Quelqu'un arrive. Il vient de loin pour me trouver. Recherchait-il mon aide? Peut-être est-ce par simple chance que le chemin l'a guidé jusqu'à cet endroit si intéressant. Il est vrai que vous étiez attendu, non? Peut-être que c'est inexact. Je devrais plutôt dire qu'un être véritable comme vous était attendu. J'ai un cadeau que j'ai gardé très longtemps pour une personne comme toi, la moitié d'un tout. Quand les deux moitiés sont unies, une grande puissance est accordée à son porteur et sur le chemin qu'il reste à parcourir, une grande puissance. Il aura besoin. Fragment blanc. Je te présente ta mère. Ah si si, le spoil est complètement autorisé. Hein. Si si, c'est la deuxième fois qu'on fait le jeu, là il faut tout expliquer. Hein. Cela a affronté l'enfant femelle ? C'est une ennemie redoutable, redoutable, forte de caractère et de corps. Tout le portrait craché de sa mère, bien qu'elles n'ont eu que très peu de temps à partager ensemble. Je n'ai jamais retenu l'indiscrétion du Wyrm contre lui. En fait, je ressens une certaine affection pour la créature qui en est née. Si jamais un jour vos chemins se croisent, je pense que vous obtiendrez une alliée puissante. Je ressens nettement dans mes racines l'affaiblissement de l'hôte. Il n'existe que deux finalités évidentes d'une telle chose. La première est inévitable, sur la voie actuelle, régression de l'esprit. Tous les êtres succombent au fléau. La seconde, que je trouve préférable, et dont j'aurai besoin de votre aide, pour que cela se produise, le remplacement. Je vous en supplie, usurpez le vaisseau. Sa force présumée était mal jugée. Il a été terni par une idée instillée en lui. Mais vous, vous êtes libre de tels défauts. Vous pourriez contenir cette chose à l'intérieur de vous. Je dois vous avertir, le vaisseau en lui-même est peut-être faible, mais cette force qui est en lui le rend beaucoup plus puissant. Pour revendiquer sa place, vous devez posséder une puissance d'une certaine ampleur. Préparez-vous bien avant d'aller l'affronter. Préparez-vous au mieux, mais ne lambinez pas. Si le vaisseau venait à se briser prématurément, ce fléau se déchaînerait et réduirait à néant tout ce que nous avons bâti pendant des siècles durant. Cette personne, la Dame Blanche, est une déesse qui est donc ta mère. Elle n'est pas la mère de Hornet, non, donc. Il faut savoir, cette dame a une libido extrêmement énorme et grosse, cette catin. Quoi ? Respect au TDS. Bonjour à Dragon et Maraudeur. Hera la bête fait naître Hornet, Dame Blanche élève Hornet, la reine des abeilles entraîne Hornet en guerrière. Il peut donc se frayer un chemin dans un esprit, alors les sceaux se briseront à la pointe de sa lame.
Par contre, qu'est-ce que je viens de récupérer, moi, avec ton fragment blanc, là? Bonjour, bonjour. Envie d'exploser 23 gamins de 12 ans, précisément. Donc, je viens ici pour... Ah, coucou, Nitnel. Envie d'exploser 23 gamins de 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Un demi-charme. Ah, effectivement, d'accord. Ok. Mes sixièmes étaient un sup. Quel jour on est là? On est mardi? Qu'est-ce qui se... Je sais pas, c'est la veille des vacances, t'es... Mardi pro, c'est le camp militaire, ils seront debout toute l'heure. Allez hop! C'est quand t'es charmant mais un peu laidron quand même. Je suis pas drôle, sauvez-moi. T'inquiète. Alors, maintenant. Nous pouvons nous rendre. Bah, il faut retourner donner les bébous en fait. On les a récupérés, il faut les donner. Et voir ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe quand on rend tous les bébous? Eh bien, nous allons voir. Salut, Phoenix. Attends. Elle vient de nous apprendre quelque chose de très très important. Le vaisseau, c'est le Hollow Knight. Elle vient de dire que le vaisseau... en fait, a été corrompu par une idée qui a été instiguée en lui. Donc voilà pourquoi le vaisseau pur ne contient plus la Radiance aujourd'hui. Radiance a réussi à trouver l'esprit, à briser du Hollow Knight, pour savoir maintenant quelle est cette idée qui a été instiguée dans le vaisseau. Il faut se rendre dans un endroit charmant appelé Pass of Pain. Oui. Tous les bébous. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Larve mouche élégie. Vous voyez, il se passe rien, tout le monde est très heureux. Larve mouche. Quand le porteur possède toutes ses vies, il peut tirer des faisceaux blancs d'énergie de son aiguillon. Faut que je sorte et que je re-rentre. Normalement, le vaisseau pur est tout comme toi, vide de toute idée, émotion. Sauf que ce n'est pas son cas. Quelque chose est né en lui dans Pass of Pain. D'accord. Vous voyez, il se passe rien. Tout va bien. Cassez-vous! Moi, je vais vérifier. Mmh.
En plus, ils sont encore vivants, donc ils vont se faire dévorer par les sucs gastriques petit à petit. Heureux, heureux, heureux. Je ris, je ris, je ris. Allez, où est-ce qu'on va maintenant? Est-ce qu'on voit un chemin inexploré? On en a déjà dit, hein. On en a dit que dans le nid profond, on a ici. On a ici. Est-ce qu'on en voit d'autres? Il va être temps de faire quelques boss de rêve. Est-ce qu'on en a déjà croisé? Moi, je veux bien y aller, hein, mais... Est-ce qu'on en a croisé que je n'ai pas fait? À droite de la ville, tu as une porte fermée. Pas très utile, mais tu peux l'ouvrir. Ah non, celle-ci, de là où je suis, pour les eurances, ça m'intéresse pas. Je préfère pas. Mais effectivement, on l'a laissé tranquille, ça. À côté de la butte ancestrale. Ah, là. Je sais pas si c'est ça que tu parlais. Tu peux faire refaire les carcasses de boss. Ah, mais oui, c'est vrai que c'était... Ouais, mais alors, je sais pas où ils sont, moi. C'est vrai qu'il y avait leur carcasse. Là, il y a l'air d'y avoir quelque chose, non? Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas fermé, fermé, là. Je sais pas si c'est normal. Je pense que c'est normal. Le bousier. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de chemins non explorés, hein. Une porte dans les abysses. Alors, ouais, après, dans les abysses, je sais qu'il reste des choses. Là, il y avait une porte, c'est ça? Mais il faut qu'on aille là, je pense. J'ai envie de faire ces deux choses-là, là. Après, dans l'enceinte du palais, il y avait un type.
Oh! Salut Samuel. La fosse à ordures. Je me remets à la boussole, sinon je suis du père. C'est lui là. Bon. On n'a pas ce qu'il faut. Clémentine, ouais. Bah, je pensais qu'on avait déjà... ah, on avait dit qu'on irait aux champignons. On n'a pas fait les champignons. Je pensais qu'on avait déjà les guillons à fond. Alors que revoilà le nid profond. Salut To. Zou. Yes. C'est vraiment une bonne idée ça. C'est vraiment super. Ouf. Oh là là, en plus ça picote depuis le côté là. J'ai assez de portée. C'est tombé. Je me fais chier des fois. Ombre tranchante. Quand son porteur utilise ruée de l'ombre, octroie une carapace aiguisée qui causera des dégâts. On peut faire des dégâts avec le dash noir ? Ah ouais, ça me plaît bien dans l'idée.
À tester, quoi, on verra. Après, ça coûte 2. Ok, alors on a un passage un petit peu plus haut. Ici, qu'est-ce que c'est ? Pourtant, ça a l'air d'être plutôt la sortie, ça. On dirait un truc où tu descends et c'est la fin, quoi. Il n'y a pas de bébou. C'est bien l'entrée? Ok, bon bah allons-y, allons-y. Alors attendez, attendez, c'est la sortie ou c'est l'entrée? Donc ça sert à rien que j'y aille maintenant. Il faut que je passe... C'est bien l'entrée, je pense, c'est autre chose. Écoutez, je sais pas. On n'a pas peur du dit profond, on peut y passer. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi, encore ? Crève. Bonjour Mel Merlol. Il y a une histoire, si tu le sauves pas, il est pas dans les boss du Panthéon, ou que sais-je. Bonjour Anne Brioche, bref, encore un mois, et ça fera 2 ans comme le temps passe vite quand on s'amuse. Salut poire en pâte. Merci beaucoup. Tiens, tiens, tiens. On dirait que ce n'est pas par là.
Silencieuse mais enthousiaste. Pourquoi vous êtes enthousiaste d'un coup là? Ok. Ah oui, il y a effectivement un petit passage là-haut, au-dessus du village, effectivement. Ok. C'était mon dernier message. Pourquoi tu te tais, Bloopy? Qu'est-ce qui se passe encore? Arrêtez. Oh, pardon! Il me saluait, c'est tout. Pardon. Oups! Je sais pas, moi, il s'est approché, j'ai cru à une agression. Cœur des champignons. C'est le type qui pète son crâne. C'est lui ou pas? Oui. Complètement marteau. Le fan de métal, il est fan d'acier galvanisé, je pense. Et coucou, j'ai enfin fini mon déménage, youpi. Bon livre à tous. Merci Mister Exa. J'ai enfin fini mon déménagement. Ben j'espère que ça s'est bien passé, que tu es content là où tu es. Pas l'acier galvanisé. Tu connais pas l'acier galvanisé, Sky? Moi, je vais rentrer dans la période carton, je veux die. Oh, j'ai horreur des déménagements. Vraiment, l'action de déménager... Pouah. Une fois arrivé, une fois tout bien installé, ça va, mais alors... J'ai toujours pas la ref non plus, en vrai. Bah, c'est... Alors... Je vais essayer d'expliquer. Il me semble que c'est les shorts où... En fait, c'est... Est-ce que tu vois les TikTok, les shorts, où il y a un minuscule appartement... Et ils essayent de l'aménager. Voilà, ok. Et bah je crois qu'il y avait un truc avec ça. Comme quoi ils faisaient des étagères ou des rails ou je sais pas quoi en acier galvanisé. Enfin la voix off arrêtait pas de dire ça. Et je crois que les gens ont commencé à créer un lore avec ça. Que Liam c'est le gars qui fait ces changements. Enfin, il y a tout un lore et qui se,
il se fournit en acier galvanisé chez sa tante ou je sais pas quoi. J'ai même pas les vrais refs, mais je crois qu'il y a un truc comme ça, quoi. L'acier galvanisé de Liam et sa tante, voilà. C'est... Sa tante, pas Satan. C'est genre le délire... Oh là. Le délire qui est allé trop loin, et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est allé trop loin. Sa femme qui a 240 enfants. Il y a tout un lore qui se crée parce qu'ils en rajoutent à chaque fois des grosses conneries comme ça, quoi. C'est que c'est ça qui est drôle. J'y ai pensé quand je l'ai dit, Sky. C'est ce qu'il fait avec les lettres. On va le voir. Maintenant, il y a le boss écologique. Putain, moi, j'ai pas toutes les refs. Hein. Déjà que je regarde pas beaucoup de TikTok et Short et compagnie. Mais du coup, après, voilà, on a retrouvé l'acier galvanisé sur tous les autres mèmes. Genre le mème des paquets de chips des saveurs Bretts. Eh ben, il y a les Bretts saveurs acier galvanisé. Oh là, oh là, et oh. Ah, t'as pas eu les coups, toi. D'accord. Les Bratz acier galvanisé. Non, mais c'est allé très loin. Tu le retrouves partout. Hein. Mais c'est ça le truc drôle, en fait. C'est que ça va beaucoup trop loin et que... Dès qu'il y a un truc, tu mets l'acier galvanisé avec. Il y a encore les champignons qui font le bruit du chien du château ambulant. Oh, waouh! Pâle Wyrm, à quoi cela sert-il de présager une fin inévitable? C'est sûr que c'est pas toi le chien du film. Bah, en plus, j'arrête pas de tousser. Alors, je sais pas si tu te fous de ma gueule ou non. Supérieur des champis. Il l'a trop pris perso. Salut Crafture. Quoi, tu dis que je tousse là? Moi tousser? Demande à mes potes si je tousse. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit, ça. Tu verras ce qu'ils vont te répondre. Dans le carnet du chasseur, on en est où? On en est loin. On est très loin. J'ai appris un truc hier qui me met dans un dilemme de type JKR. Ah, t'as appris qu'une de tes... Enfin, j'allais dire de tes idoles, des personnes que tu apprécies ou que tu... était en fait un gros connard.
J'espère que c'est pas moi. J'ai pris un petit jeu indé et l'un des devs est un raciste zémouriste pro-génocide. Oula. Aïe. Mon idole a fait un karaoké avec des mineurs, je sais pas comment m'en remettre. Ah, c'est moi ça! Putain! C'est vrai. C'est vrai, je vous l'avais déjà raconté, hein, quand j'essayais d'expier mes péchés, je vous avais dit que j'avais fait des karaokés. Enfin, un karaoké. Peut-être deux. J'avais plus toute la mémoire. De quoi tu parles, Yumi? Je sais pas si je fais le jeu. Je me fais rembourser. Go te faire rembourser et craquer le jeu sur je sais pas quel site là. Y a pas qu'un connard qui a bossé dessus et le jeu a l'air sympa. Ah, finalement c'est un peu ce qui s'est passé avec voilà le jeu là. Et puis si c'est un jeu indé, j'imagine que tu peux pas le trouver en version boîte, en seconde main. Sur le chat, je vois des messages qui ne se font censurer en Astérix. Alors, j'ai pas ça. Clique sur les mots censurés par Twitch. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous avez des mots censurés? Bon, je vais où, moi, maintenant? Faut faire des boss de rêve. On a dit Donna Donna, les sandwichs, là. Donc, il faut qu'on aille à la station du roi. Le gros PTDR de Sky, il est censuré. Je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient, ce réglage. J'ai ça aussi, il me met certains mots censurés, je dois être dans un truc de réglage. Chevalier, prends la station des routes oubliées. Pété de Riri, la station des routes oubliées. Chevalier... Attendez, vous me faites faire deux trucs en même temps, non? Va voir Doma Doma. Doma Doma Doma. Bon, écoutez, on va objectif Doma. Objectif Domac. Et comme j'arrive pas à me repérer, je vais me téléporter. Et je vais me TP à la station du roi. Et je vais faire tat attaque. Là, c'est là la boule de crotte, non? Il me semble que c'est là. Je vous laisse, j'ai de la peinture qui m'attend. Oh! Quel type de peinture? Genre, peinture sur toile? Ou peinture sur, je refais mes volets, genre? Salut, Yora. Peinture sur corps. Peinture sur volet. Ah! Pourquoi il me dit qu'il y a quelque chose en haut là? Pourtant je l'ai déjà fait ça. Enfin, c'est pas qu'il me dit qu'il y a quelque chose en haut, mais...
suis donc ben mauvais. Un autre jour peut-être. C'est getting over it ou quoi? Je sais plus où je vais. C'est là que je vais. Je peins en mille couleurs le vent. Ok, Pocahontas. La loutre et le héron sont mes amis. Le Colisée, je crois qu'on n'a pas fait le dernier. Bonjour. Waouh, c'est joli. Bon, j'en prends plein la gueule, hein. Comme convenu. J'ai pas changé mes charmes, je crois. Et du coup, j'ai pas de banc. Donc finalement... Bonjour, Aelitsa. Le protecteur blanc peut être battu en total de 5 fois sur chaque fichier de sauvegarde, bien qu'il puisse être défié indéfiniment. Dans Godmaster Icon. What the fuck? Bah Sky alors, il va falloir bosser là. Putain, mais c'est trop chaud. Ça m'inspire pas pour le Panthéon, hein, je... Ça me fait peur.
Putain! Yo. Ah! Ça fait peur. Oh,
Je protégerai notre royaume, ayez confiance en moi. Mes amis, nous serons tous réunis. Merci pour les GG. Il faut le faire 5 fois ? T'es pas obligé. Pas pour le 112%, ok, d'accord. Ah oui, là il fait du double de dégâts. Hein. Enfin, je sais pas si c'était un hasard, mais. Si, il fait double. Ok, d'accord. Ok, bah lui c'est fait. On est à 1900. Ah non, ça c'est les géos. On est en 1400. On est en 1453 avant JC d'Aiguillon de Rêve. Pourquoi il me manque un éclat de masque? Ah, c'est peut-être le dernier Panthéon? Enfin, il en manque deux encore, mais... C'est vrai que le, pas le dernier Panthéon, le dernier Colisée. Faudrait peut-être y retourner au Colisée, on n'a pas fait le dernier. Donc là, quel autre boss de rêve je peux faire? Tu peux use bug sur ce boss quand il hurle et tape sa poitrine. Si tu prends un dégât en le touchant, tu peux te déplacer et lui infliger des dégâts. Genre la phase 2. Quoiqu'il le fait peut-être au tout début aussi, mais... C'est pas évident, parce que dès qu'il le fait, t'es stun. Le chevalier, mais il est pas facile. Grimm qui est très dur, oui c'est vrai que j'ai laissé Grimm dans son coin. De toute façon ils seront tous pas très simples je pense. Il le fait au début et à la phase 2, j'aime bien ce truc, il faut arriver à le timer sinon tu te prends juste des dégâts. Je me souviens quand mon copain a fait Grimm V2, il était si fier. Ouais. La fleur détruite. Ah sinon, oui, sinon il y avait les champignons. Ça fait un moment que je le dis et on le fait pas, le champignon. Venez, on le fait dans la VOD suivante. Là, on va être à 2 heures pour YouTube. Je mets champi sport. Ah, quoi que c'était que 1, ça. Tu veux un fight sans prise de tête avant? Oui, on peut. Mon copain visait clairement pas le 112%, c'est pas le même type de gameplay. Ouais, mais moi je le vise et je galère, donc bon. On a le droit de t'indiquer des boss de rêve que t'aurais pu oublier? Oui, vous pouvez, hein. Là ce backseat complet. Une tombe de guerrier dans les frontières du royaume, il est derrière un rideau noir. Mon copain fait ce qu'il peut. Je n'ai pas tout vu, mais souvent on passe à côté du tyran de l'âme. Et du proche disparu.
Ah, ça me dit rien, ça me dit rien. J'ai peut-être aussi oublié les noms. Hein. Bon prochain choix. Mais je vais où alors? Enfin bon, là j'ai mis mon champignon, donc bon. Va où ton cœur te mène. Les bas-fonds du royaume et Marcotte, là, Mercotte, c'est le même boss? Vous pensez à la même chose? Non. Moi, je parle du proche disparu. Ben, le proche disparu, il avait l'air sympa, selon Sky. Il est où? Juste que je me fasse un peu une route. Sympa, mais plus chaud. Près des ailes de monarque. Ouais. C'était ça, là? Ouais, il y a la carte interactive, c'est vrai, mais... J'aime bien aussi le fait d'essayer d'apprendre par moi-même. Ah, et là, il y a un chemin qui est pas fait, c'est peut-être ce que tu disais? Bon, lui, il est mieux, là. Lui, il est mieux parce que, tu vois, il y a un TP, il y a un banc. Je l'aime bien. Je vais me mettre sur le banc, puis on va faire une pause. Hop. YouTube, petite pause. On se retrouve dans la prochaine VOD. J'espère que tu as apprécié cette reprise. Le début était un peu rude, mais ça va. On est sur les rails d'acier galvanisé. À bientôt.